Bonne nuit à toi. Bon bah écoutez, on va repartir sur une petite mission. Qu'est-ce qu'on a en liste secondaire? Ah, hautement qualifié 2, attraction du prisonnier. Sinon, on a toujours des vraies missions. Ah non. Extrayer l'ingénieur qui a tenté de s'échapper du camp de base soviétique et est maintenant retenu dans les cantonnements de Waxind. Ok. Comment dirais-je? Une mission de sauvetage. On va essayer d'extraire le prisonnier. Pareil qu'il est hautement qualifié. Alors là, du coup, il va falloir faire gaffe. J'imagine qu'il va falloir faire attention parce que... sinon, il y a de fortes chances pour qu'il y passe, je suppose. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ah, alors que nous voyons ici notre... Qu'est-ce qui est déjà marqué, en fait? Ah oui, on va retourner au même endroit, en fait. D'accord. Ok. NP. NP. Une OPSP secondaire, donc, sert le prisonnier qui va se trouver dans le coin. On va laisser petit canaillou là. Analysis complete. Analysis complete. Ouais, ils sont pas excellents. Enfin, ils sont pas excessivement bons, ces deux-là. Même si du coup il y en a un des deux qui est un petit peu chiant à faire des allées venues. Oh là là, mais pourquoi ça ramouille? Qu'est-ce qui se passe? Oui, une plante.
Ah, parfait. Parfait, nous savons maintenant où sont les prisonniers. Toujours commencer par se faire repérer, hein. Très important. Analysis complete. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il y a que c'est Solagi. Solagi. Analysis complete. Analysis complete. The map has been updated. Subject on board. Leave the rest to us. Tout bien. Bonne nuit Kitsuko, pas de soucis. Des bisous à toi. Voilà, et je me suis fait repérer comme un sac. Comme un sac. Ah, la concentration. De temps en temps, le silence se fait. Alors, est-ce que j'ai loupé des gens ? Ok, je le vis bien.
Et les deux, ils vont aller reprendre leur camion. Hein. Il y a zéro embrouille. Oh merde! J'en ai encore loupé un d'ailleurs. Il y en a un que je ne sais pas. Je ne sais pas où il est, je ne sais pas ce qu'il fait. Non, 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 n'avance pas, recule. Ah, il est là. Ah, il y a beaucoup de monde quand même. Hein. Il y a vraiment beaucoup de peur. Merde. Oh, je vais y aller. Bonne nuit, Rodin. Des bisous. Merci d'avoir d'avoir suivi. Merci à toi. Voilà. Dodo, dodo. Du coup, eux, ils vont le voir. Bien le bonsoir, Dasht FR. Eh merde, ils vont le voir. Bien le bonsoir à toi, j'espère que ça va bien. Oh purée. Ah, c'est tellement beau tout ça. Allez, viens voir tes potes, allez. Mais allez, viens voir tes potes, voyons. Merde, il a... Ouf. Merde, mais tu vas t'endormir, bordel. Eh ben, c'est pas trop tôt. On va fultonner tout ça. On peut récupérer la fiche. Oh, du métal mineur, parfait. Est-ce que ça marche sur ça? Petite notification.
petite notification Steam. On va l'extraire là. Oh, toi, t'es tout pourri. Ouais, t'es tout pourri. Pouf! Allez, réveille-toi. Tu n'as ni le son ni l'image? Ouais, c'est bizarre, Dash, t'es en fin de temps et du coup il m'entend pas, mais... Et hop, petite extraction. Ça fait pas de mal. D, C. Oh, le snake tireur de litre. Et ben voilà! Oh, quelques petits coups, ça va, on a le droit. On a le droit de tuer. Pourquoi ça rame? Alors attendez, du coup, il faut que je récupère tout ce que j'ai à récupérer. Qu'est-ce que c'est ici? Matériaux raffinés par là. Je veux. Voilà, là on passe en mode loot.
on the brink of death. It's hard to say whether he'll survive a Fulton extraction. If you have to extract someone who's on the verge of death, you better use the chopper. But if you're gonna carry them, put them to sleep first. You won't get far if you have to fight them every step. Marker placed. He's coming too. Roger that. Extraction arrived at Metal Base. Development project has been added. Analysis complete.
Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Analysis. That's the target. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete.
Ah, bonne nuit à tous ceux qui vont se coucher. Je crois que mon micro était pas mis, il me semble. Je crois que... Moi j'ai fait... Eh, attendez, il y a un truc qui brille là-bas. Eh, je voulais juste briller, moi. Ah bah ouais. Ah ouais, d'accord. Oh, la cage d'une vie, quoi. La cage d'une vie, hein. Qu'est-ce qu'ils nous font les autres? Bon. Par contre, c'est sombre, effectivement, c'est de nuit en plus. Donc c'est un peu sombre. Bon, je vais essayer d'aller. On va essayer d'aller pécho cet ennemi. Voilà. On va essayer de remplir notre mission. Mais non. Non mec, ne repars. Non. Oui, non, il faudrait peut-être aussi que je désactive ma lampe. Mais non, le con il repart. C'est pas du tout ce qu'il devait faire en fait. Speak. The map has been updated. Non, redescends, merci. Et extrais-moi cet ennemi. Merci. Ah oui, en plus, le jour va se lever, quoi. Ah oui, ça marche. Putain, c'est bon ça. C'est bon ça, on peut toujours les braquer. La nuit, tous les renards sont gris, évidemment. Alors par contre, le jour se lève. Est-ce que ça passe? À votre avis, est-ce que ça passe? Ah non, bouge pas, mec. Ah non, si tu bouges, ça ne passe plus, ça c'est sûr. Oh merde! Analysis complete.
Analysis complete. Ah, CDDC, hein. Merde, y a... Non. Ah non, c'est Donc théoriquement, nos missions secondaires, elles sont toutes réalisées, c'est parfait. Je vais me mettre quand même à couvert. On sait jamais. Dans recherche et développement, parce que du coup, voilà, l'équipe R&D est niveau 10. Gestion de la base, on n'a toujours rien pour. C'est terrible, c'est terrible. Il nous manque encore moult réserves de carburant. On pourrait faire une plateforme de R&D, évidemment. La nuit, tous les clés sont des renards. Effectivement. Effectivement, mais bon. N'est-ce pas ? Aigri, n'est-ce pas ? Il nous manque des ressources biologiques aussi. Mais qu'est-ce qu'on peut développer ? Please specify a project. Oh, moult choses. On peut maintenant faire un pistolet mitrailleur anti-émeute. Des balles en caoutchouc. L'arme imprécise, mais capable de neutraliser les ennemis sans les tuer. C'est considéré comme une arme secondaire. Ça remplacerait en fait le pistolet. Pas sûr que ça soit une bonne idée. On pourra peut-être augmenter un moment la grenade à main. Ouais, y a pas grand chose de ouf gueudin hein, à développer à part une arme de poing un petit peu meilleure peut-être. Le pistolet mitrailleur anti-émeute. Oh, je suis déçu. Je dois avouer que je suis déçu. Please specify a project. Du coup, il y aurait. Alors, soit. Ouais, je vais peut-être essayer de vider du coup cette zone et récupérer tout ce que j'ai à récupérer. Même si ça va me prendre du temps. Peut-être faire un largage. Supplies requested. Voilà. Ah, comment on s'organise les runs, Isaac? Alors, il faut que je contacte un corps Beard, qui n'est toujours pas rentré de vacances, visiblement, puisqu'il n'a pas fait de live depuis un petit moment. Donc après, comment on va s'organiser concrètement? Il faut, oui, donc faudra streamer, ça sera une des conditions. De pouvoir streamer pour qu'on puisse capturer a priori, en tout cas que les gens puissent voir. Puissent voir les parties de chacun et puissent éventuellement aller encourager de fausses indications selon selon si on veut aider ou pas. Mais ensuite ça va dépendre aussi du nombre de participants parce que comme j'avais expliqué, je pense que le mieux c'est d'essayer de faire un truc pas trop long, qui est pas trop de matchs, trop de participants.
Et donc le mieux pour ça, je pense, ça serait de faire soit deux groupes de 4, si on est 8, soit un groupe si on est moins de 8. Ça me paraît être le mieux. Je pense que 8 maximum, c'est vraiment... ça sera au-delà de 8, je pense que ça sera pas viable et on va y passer trop de temps. Parce qu'après, bon, évidemment, il faut que on puisse. C'est pas le tout de se dire on va être beaucoup. Il faut pouvoir organiser les matchs. Il faut que les gens soient là au même moment. Donc là, pareil, je pense qu'on fera ça plutôt les week-ends. Je pense que pour tout le monde, c'est le mieux. Si Mizouf participe, lui, avec ses auras du Canada. Va falloir trouver un moyen. Donc ça fait beaucoup de paramètres à prendre en compte tout de même. Et ensuite il y a toujours les règles à définir. Les règles à savoir, est-ce qu'on fait par exemple plusieurs manches de un perso, une seule manche de 3 persos d'affilée. Il y a plein de moyens de s'organiser hein, et de faire des règles différentes. Tout dépend de ce que les gens ont envie de faire, ont envie de voir. Ça dépend aussi du temps qu'on a, parce que évidemment, au plus on va. Faire des parties ou des matchs qui sont longs, au plus il faudra que les gens puissent rester. Donc oui, après, je pense aussi que faut prendre l'avis de tout le monde, enfin de tout le monde. Notamment de ceux qui veulent participer. Donc je sais pas, après toi, ce que t'en penses, par exemple Grimace, est-ce que toi, le week-end, ça t'arrange? Est-ce que, je sais pas, moi, si c'est en... Si c'est en semaine, ça te va aussi. Analysis complete. Ça aussi, il y a aussi un truc qu'il faut prendre en compte, je pense, c'est le niveau des joueurs. Parce que par exemple, Oli, lui, il débute dans le jeu, donc il y a forcément beaucoup de choses que nous on sait. Le week-end en journée, t'as les petits dans les pattes, ouais. Ben, je pense que de toute façon, pour toi, c'est la soirée qui est le mieux, que ce soit en week-end ou dans la semaine, hein. Le récupérer lui. Oh merde, le con. Ben non, mec, t'étais pas censé partir.
Il y en a un autre de gars mort. Je crois que je l'ai eu. Ah, du coup, oui, tu vas pas bosser la semaine prochaine. Ouais. Alors, dans ceux qui veulent participer, de ce que je sais, qui sont à peu près sûrs, il y aura Mizu, il y aura moi, il y aura Puriyobi, il y aura toi, il y aura Momiji. Si j'ai bien compris, Chidumaru serait intéressé. Analysis complete. Analysis complete. Donc après, ouais, le truc, c'est comment... Je sais pas si la semaine prochaine, on pourra commencer. Après tout, pourquoi pas, hein, si on peut. S'il te plaît. Oulala. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok, White Shadow, des bisous. Bonne nuit à toi. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait ça? Après, je sais pas sur les règles, qu'est-ce que, par exemple, t'en penses? Qu'est-ce qui, en fait, voilà, il y a ça aussi, combien de temps t'aimerais qu'un match dure, idéalement? Oh là 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 là, mais ça se met à laguer, à ramer de ouf gueudin. Pas maintenant.
Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, une team Mario Kart aussi. Ah oui, ah ça serait rigolo ça. Ça serait très rigolo. Oh bah le but c'est de s'amuser, hein. Clairement. Le but, l'important c'est de s'amuser. L'important c'est de faire mumuse. Un de lag. Oh là là, c'est chiant ces petits ralentissements, ces petits lags. C'est chiant, ma bonne dame. Alors, Crackbull aurait-il des téléchargements de porn en fond? Alors oui, l'overlay est un peu grand, mais ça s'explique aussi parce que si je mets et coucou le Twisty, si je mets le jeu en plein écran, là ça devient de la bouillie de pixels. Et en plus, il manque des trucs, j'avais prévu de mettre le chat, etc., etc. Bref. Bref, c'est pas fini. Oh là là, mais ce... Mais sérieusement, quoi. Ah, j'étais pas censé tirer à côté. Ah non, la cam, pas encore, je sais, mais pas encore. Ah, des réserves de carburant, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il me faut le plus. Bordel de merde!
Bah ça y est. Je les ai tous eus. Petit coup de tatane. Subject on board. Leave the rest to us. Mais donc, en... oh là là. En gros, le jeu, il me dit que j'ai tout récupéré. Ah, c'est propre. Ça me paraît étrange, mais... Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas encore récupéré? On n'a pas encore récupéré des trucs par là, justement. Ah non, c'est pas cette baraque, c'est la grande ici. J'imagine que ça doit être à l'étage. Oula, oui. Métal mineur, parfait. Oh là là, mais c'est ralentissement de la vie. C'est un peu chiant, hein. Je dois bien vous avouer. C'est un poil embêtant. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Je vais fermer des trucs. Je vais fermer Skip. Qu'est-ce qui bouffe pleinement par ça? Il y aurait éventuellement Chatty, hein, mais... On va voir déjà si c'est mieux. On va voir déjà si c'est mieux. Juste ici, probablement. Est-ce que c'était pas Skype qui foutait la merde, finalement? Ouais. Pas tout à fait sûr que ça règle tous les problèmes, mais bon. Un truc là, hein.
Marker placed. Pardon. Ah oui. Effectivement. Encore des trucs hein, après. Diamant brut, ah oui. Ah oui, évidemment que je veux un diamant brut. Je veux du pognon, ouais non, ça a pas tout réglé. Hein. Clairement. Ah, c'est à l'étage. Bonjour. Merci. Petit village, hein, très... fourni en matériaux, hein. On sent qu'il y a du pognon dans le bled. Sympathique. Très sympathique. Il va encore rester deux choses. Trois choses, des diamants ici. Des matériaux raffinés et... Marker placed. Marker placed. Marker placed. You have arrived at your destination. Parfait. Bonjour. Bonjour, je défonce tout. Eh ben voilà, on a tout fait. Mortier. Mortier, est-ce qu'on pourrait pas récupérer juste avant de partir le mortier? Support helicopter requested. Ah, mon cher joli jumper, allons de ce pas
Bonjour, c'est le facteur. C'est ça. Bonjour, c'est le facteur. Je viens de te péter ta gueule. Saloperie, pourriture communiste. Extraction arrived at Mother Base. Je crois qu'on s'est fait masse pognon. Je crois qu'on s'est fait masse pognon, mais il me manque toujours 100 putains. Oui, oui, alors ça, je veux bien. Oui, voilà. Ah, si, je peux en construire une. Métal et ressources biologiques. J'en ai beaucoup du métal courant et la ressource biologique. Par contre, j'en ai pile poil ce qu'il faut. Et ça serait utile pour le développement de base, pardon, donc non. Donc non. Maman, maman, c'est le postman. C'est le postman. Laisse ta culotte, maman. Je ne sais toujours pas pourquoi le jeu a décidé de l'agouiller. C'est un petit peu gênant, mais... c'est un petit peu gênant, mais bon. Development project has been added. Intéressant. Ah, oh, fauteur de troubles, violence, toi tu vas virer. On n'aime pas les fauteurs de troubles dans le coin. Ah là là. Et donc oui, alors pour en revenir, c'est vrai que du coup j'ai complètement... J'étais complètement absorbé par... Merde, un interprète de Pashtun. J'étais complètement... dans le jeu, mais donc oui, pour en revenir à Isaac... je pense que oui, voilà. Faut savoir si on veut faire des matchs qui durent une demi-heure, qui durent une heure, qui durent une heure et demie. C'est. Je pense que voilà. Faut voir ce qu'on veut. Comme. Truc, on peut avoir moult choix. Ah, alors le but, a priori, ça serait d'aller jusqu'au Blue Baby, de tuer le Blue Baby, en fait, de faire tout l'arc angélique, de terminer le chest, en fait. Donc, a priori, ça, ce qui est à peu près sûr, c'est que les personnages seront choisis au hasard. Ensuite, donc oui, choisis au hasard. Probablement parmi les 7 persos du Isaac originel, c'est-à-dire Isaac, Magdalene, Cain,
Judas, Ève, Samson. Et je crois que j'ai fait le tour. Donc en fait le but, voilà, le truc, ça serait que chaque joueur doit utiliser ce personnage, mais on ne fait pas de seed commune, c'est-à-dire que les joueurs peuvent reset le nombre de fois qu'ils veulent pour avoir un objet pour démarrer la run et pour partir. Et donc chaque joueur n'aura pas le même niveau, n'aura pas les mêmes objets, etc. etc. Donc après on a le choix finalement de faire en sorte que chaque partie soit chaque manche soit par exemple sur un personnage et puis on fait plusieurs manches, ou alors on fait un enchaînement de personnages, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini un personnage, on détermine par exemple deux ou trois personnages à l'avance, le but étant de terminer ces trois personnages à la suite. Ces deux ou trois personnages à la suite. Ensuite, quoi d'autre? Pas de ban d'objets ou quoi que ce soit, on peut utiliser tous les objets qu'on veut, sans restriction aucune. Quoi d'autre? Pour l'instant, je ne vois pas. Si tu as d'autres questions d'ailleurs, n'hésite pas. Alors voilà, c'est ça le truc en fait, avec les gens pas forcément experts. C'est-à-dire que selon les niveaux, on pourrait presque... c'est là où on retomberait sur l'idée de deux groupes. Si on arrive à trouver des joueurs, 4 joueurs qui connaissent bien, très bien le jeu, et 4 joueurs qui sont beaucoup moins experts, on pourrait faire une poule avec... ben voilà, le but, ça serait par exemple d'aller tuer juste Mom. Sans rien d'autre, sans aller plus loin que ça. On pourrait même par exemple pour les débutants faire en sorte qu'ils partent d'une sauvegarde neuve au lieu de partir d'une sauvegarde Real Platinum God. Donc il y aurait beaucoup moins d'objets à gérer, peut-être moins d'objets craqués, mais au moins une fois qu'on est allé à Mom, on termine le truc et il y a pas d'embrouille. Parce qu'après le souci, c'est que même pour des gens pas experts, je pense que par rapport à des gens qui connaissent le jeu, aller jusqu'à Mom et la tuer, c'est pas super compliqué, quoi. Mais après, oui, effectivement, pour des joueurs débutants, aller jusqu'au Blue Baby, c'est ça risque de pas être super fun, quoi. Mais donc oui, il faudra voir. Je pense que, comment dirais-je, oui, mais j'avais dit que je voulais en virer. Faudra voir. Je pense que je ferai une sorte de mini QCM ou un truc avec Google Forms, pour demander un peu aux gens des renseignements, leur niveau, etc., etc. Combien d'heures ils ont passé sur le jeu, quelle est leur connaissance des objets. Cause des problèmes dans l'unité traumatise les personnels. Alors oui, non mais... écoute mon gars. Staff dismissed.
Ah oui, mais non. Là, j'ai fait que une partie du personnel. Mom, les dégâts sont ultra punitifs, oui. Mais c'est très simple d'arriver à Mom. Quand on connaît un peu le jeu, c'est quand même assez simple d'arriver à Mom. Sans en ayant suffisamment de de dégâts ou de vie pour finalement s'en foutre. Tu sais, mais il y en a tellement des fauteurs de troubles. Staff dismissed. Après, c'est vrai aussi que si on va... Ah oui, après avoir tué Mom. Ah oui, pardon, après Mom, oui. Oui, c'est vrai qu'après Mom, les dégâts sont très très punitifs. C'est vrai qu'un seul cœur, un cœur de dégâts à chaque coup, c'est violent. Hein. C'est clair que c'est ultra violent, mon dieu. Que de mauvais soldats. Hein. D-E. Oh là là, on a un si. Je suis choqué par ce que je viens de voir.